Bonjour tout le monde, salut Basile. Vous allez écouter le podcast numéro 2 de Marvel Planet, le podcast dédié aux adaptations ciné et télévision des comics Marvel, aussi bien le MCU que les X-Men et Spider-Man. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode. J'espère que vous avez apprécié nos infos et notre analyse du mois dernier. Vous avez été plutôt nombreux à nous écouter, du coup on va faire le maximum pour que le podcast d'aujourd'hui soit encore meilleur que notre pilote. On va tout de suite commencer à traiter les news. Entre celles faites pour les promos de Captain America Civil War, qui bien évidemment est le focus de ce numéro 2, et celles pour X-Men Apocalypse, qui sort ce mois-ci, et toutes les productions en cours, on en a pas mal. On commence avec les news sur Doctor Strange. Moins d'un an avant la sortie du film, on a enfin eu le droit à un premier trailer. Comme tous les fans de Marvel, je me suis jeté dessus, mais j'ai finalement été un peu déçu. Pour commencer, ce trailer m'apprend rien que je ne connaisse déjà sur Strange. Ensuite, j'ai quand même trouvé l'esthétique assez quelconque. Pour moi, franchement, c'est un mélange entre Batman Begins et Matrix. La magie est peu présente à mon goût et le style visuel en mode kaléidoscope est un peu perturbant. Bon, néanmoins, je reste quand même super en attente du film. Autre info sur le sujet, on sait désormais quel personnage incarnera Mads Mikkelsen. Il jouera le docteur Anthony Druid. C'est le méchant principal du film. C'est un personnage qui a été créé en 1961 par Stan Lee et Jack Kirby. Le docteur Anthony Ludgate est un psychiatre, magicien et télépathe spécialisé dans l'hypnose. C'est un expert en art occulte, entraîné par un lama tibétain connu sous le nom de l'Ancien. C'est aussi le menteur de Strange. Amy Landker et Stan Atkins seraient ses serviteurs. Dans Mamou, il ferait également une apparition. Pour rappel, la sortie du film est prévue le 26 octobre de cette année. On ne manquera pas de vous en reparler. Alors, contrairement à toi, moi j'ai bien aimé ce premier trailer parce que justement, il explique très rapidement qui est Stephen Strange. Faut pas oublier que tout le monde n'a pas lu les comics ou tout le monde n'est pas fan de comics parce que le MCU, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et c'est assez cool de voir comment Strange, un chirurgien, va devenir un super-héros Made in Marvel. En plus, Doctor Strange va bénéficier de la présence de Benedict Cumberbatch dans le rôle-titre, et ça va faire venir beaucoup de personnes qui n'ont vu aucun Marvel et qui vont aller au cinéma juste pour le voir sur grand écran. Même si tu dis que le trailer ne nous apprend pas grand-chose, moi je trouve que justement il nous apprend pas mal de choses parce que Mads Mikkelsen, dans le trailer, on ne sait pas du tout qui il est et la présence de Dormammu, là, n'est pas du tout présente et n'est pas du tout envisagée ni induite par un ou deux détails. Donc je pense que ce film a encore pas mal de choses à nous montrer et le prochain trailer, qui à mon avis sortira sûrement en septembre, lui sera grandiose et nous dévoilera beaucoup plus l'intrigue du film. Ok, dans tous les cas, réponse fin octobre. On continue avec une news sur Iron Fist. David Wenham, que vous avez peut-être déjà vu en Spartiateborn dans 300, rejoint le casting de la série. Il sera Harold Mecum, l'ancien compagnon du père d'Iron Fist et responsable de sa mort pendant une expédition. Donc, en toute logique, notre héros cherchera à se venger dans cette première saison. Autre info, Jessica Stroup et John Pelfrey seront quant à eux les enfants de Mecum, Joy et Ward. Les premières photos du tournage ont récemment été publiées, on vous les met dans l'article. Dans les premières photos de Iron Fist, c'est assez drôle parce qu'on voit vite fait Iron Fist en revenir à New York et justement il croise le chemin de Jessica Stroup. Petit aparté, je suis trop contente de voir Tom Pelfrey dans Iron Fist parce que c'est le flic nazi, enfin ex-nazi dans Banshee et j'adore son personnage donc j'ai un peu hâte de voir qu'est-ce qu'il peut donner en dehors d'un flic ex-nazi. Pour en revenir aux photos, c'est assez marrant de le voir. Donc, il revient à New York et il ressemble à un clochard. Et c'était aussi le même style qu'avait Benedict Cumberbatch pour Doctor Strange, parce que dans les premières images, là, il était au Tibet, il était aussi en clochard. Donc, est-ce que genre le MCU essaye de nous faire passer le message que si tu fais de la magie, à un moment dans ta vie, t'es un clochard. Je sais pas si c'est fait exprès ou si ça a rien à voir, mais j'ai trouvé ça assez drôle comme similitude sur les photos. Ok. J'enchaîne en restant sur Netflix avec une info qui a été mon gros kiff de ces dernières semaines. The Punisher va avoir droit à sa propre série. Frank Castle, c'est pour moi le meilleur personnage de la saison 2 de Daredevil, et ce n'est que justice de lui donner sa série. Le personnage est tellement adapté à l'angle noir et réaliste choisi par Netflix. En plus, John Bertal a incarné le rôle à la perfection. J'attends qu'une chose, plus d'infos et des images. Ouais, non, c'est cool, mais bon, Elektra était quand même vachement mieux que Punisher. Ouais, c'est pas grave. Toujours chez nos amis de Netflix, on sait désormais que Douglas Petrie et Marco Ramirez, les showrunners de la saison 2 de Daredevil, s'occuperont de la saison 1 de The Defenders. Le tournage devrait commencer à la fin de l'année. L'articulation avec les séries existantes n'est pas encore connue. Est-ce que le Punisher sera de la partie maintenant qu'il a sa propre série?
Est-ce que Elektra sera l'adversaire de cette série plutôt que de la prochaine saison de Daredevil? Tout est possible. Dans tous les cas, on espère un meilleur résultat qu'avec Legends of Tomorrow chez DC. Alors, moi, j'ai pas vu Legends of Tomorrow, mais vu ce que t'en dis, ça me donne pas envie. Très clairement, moi, je vote pour qu'Elektra, ça soit le grand méchant de la série, ou au moins l'un des grands méchants, parce qu'à mon avis, il va y avoir plein de choses. Mais avec Iron Fist qui fait de la magie, Elektra qui est du coup le Black Sky, il y a moyen que ça parte un peu en cacahuète dans tous les sens. Effectivement, ça pourrait être bien cool comme mélange. Je passe maintenant du côté du cinéma avec le prochain Spider-Man, qui sera réalisé pour John Watts pour juillet 2017. C'est quand même le sixième opus de l'Homme Araignée et c'est un morceau de choix pour le premier blockbuster de ce réalisateur. En plus, il doit quand même nous faire oublier deux épisodes de Amazing Spider-Man qui ont été loin de tenir leurs promesses, particulièrement le deuxième. Ouais, le premier n'était pas si mal que ça. Mmh. Le deuxième était une catastrophe. Le film s'appellera donc Spider-Man Homecoming et s'intégrera au MCU pour faire suite à l'arrivée de Peter Parker dans le dernier Captain America. On va bien sûr revenir dessus dans notre grand focus. Côté casting, on a un peu plus d'infos sur les acteurs qui accompagneront le jeune Tom Holland. Tony Rivolori, qui a été génial dans The Grand Budapest Hotel, sera le meilleur ennemi de Peter Parker au lycée. Laura Harrier, vue dans The Last Five Years, séduira notre héros, tandis que nous retrouverons Marissa Tomei en sexy Tante May. Robert Downey Jr. est également confirmé, il devrait donc continuer à jouer le rôle de mentor. On espère également que Chris Evans sera de la partie pour un petit Brooklyn vs The Queens. On continue avec les infos autour des films du MCU attendus en 2017 avec Thor Ragnarok. On sait que Cate Blanchett est au casting, mais on ne connaît pas son rôle. Les rumeurs, elles, penchent pour qu'elle interprète la déesse Ella, soit la déesse de la mort. Elle est celle qui accompagne les Asgardiens vers le Valhalla après une mort vaillamment acquise au combat. Ça colle assez bien du coup avec le titre de ce film Ragnarok. Ce qui nous laisse espérer, mais ça on le savait depuis un moment, beaucoup de morts. En même temps, si le démon Surtur et Thanos joués par Josh Brolin qui sont vraiment dans ce film, il y a des chances d'avoir son lot de morts. Pour moi, la présence de Thanos n'est pas complètement improbable, car je le vois bien en train de tenter de réunir les Infinity Stones, et comme le Tesseract est sur Asgard, sa présence pourrait entraîner d'une certaine manière le Ragnarok qui attend Thor et tous les dieux nordiques. Au casting, en plus de Cate Blanchett, on peut attendre Tessa Thompson, vue dans Creed l'héritage de Rocky Balboa. Très bon film de boxe, ça je vous le recommande. Elle y jouerait la guerrière Valkyrie Bonhill, et c'est avec elle que Thor aurait une relation amoureuse. En effet, plus de Natalie Portman, donc plus de Jane Foster, parce que Thor, comme il est le gardien des Neuf Royaumes, il ne peut plus avoir de relation humaine, et je crois qu'en même temps, plus ou moins Natalie Portman avait dit qu'elle était très contente de ce qu'elle avait fait pour le MCU, mais elle voulait passer à d'autres choses et ne plus être associée à un blockbuster, donc ça me dérange pas. La seule chose qui me dérange, c'est pourquoi lui donner une relation avec Valkyrie, alors qu'il y a Lady Sif qui lui fait des yeux doux depuis deux films, et d'ailleurs dans les comics ça collerait très très bien de voir Jimmy Alexander et Chris Hemsworth, donc je comprends pas trop Valkyrie, mais à voir. Pour que le public masculin continue à rêver d'une relation avec Lady Sif. Ah oui, d'accord. Oui, bon. Ouais, bon, si vous voulez. Pourquoi pas. Autre news pour Marvel Studios, qui adore faire signer des acteurs célèbres, Sharon Stone a lâché sur le plateau de James Corden qu'elle aurait signé pour un rôle dans le MCU. Évidemment, elle a lâché sa petite bombe, elle a pas dit quel rôle, et surtout elle a pas dit quel film. Donc les spéculations y vont de bon train. On a choix entre Ant-Man 2, où elle pourrait être la mère de Hope, ça tombe bien, vu qu'on a vaguement vu Wasp dans les flashbacks, et quand Scott Lang il est dans le Quantum Realm. Ou alors elle pourrait être dans Guardian of the Galaxy, mais là ça me fait beaucoup d'acteurs célèbres pour Guardians of the Galaxy et surtout beaucoup de nouveaux acteurs pour le film de James Gunn. Donc je penche plus pour Ant-Man 2. On espère avoir les infos très bientôt. Toujours dans le MCU, on a aussi des infos sur le troisième opus d'Avengers, qui se déroulera en deux parties, je vous le rappelle. Premièrement, il semblerait que le titre Infinity War soit rangé aux oubliettes selon les frères Russo. Quel titre va arriver, on ne sait pas encore. Ils auraient également déclaré ne pas intégrer les héros Netflix dans leurs films. En même temps, le traitement plus sombre n'est pas forcément raccord avec l'ensemble de l'univers. Enfin, dernière nouvelle et pas des moindres, Star-Lord devrait avoir un rôle important dans Avengers 3. Pour moi, c'est une super nouvelle, je suis fan de la manière dont a été adapté ce héros loser de l'espace. Ouais, alors en tout cas, si vraiment la non-présence des héros Netflix est confirmée pour Avengers 3, je crois qu'on peut dire au revoir au MCU partagé. Donc en gros, durée de vie 2008-2015. Non, on va être gentil. Et ça ne m'étonne pas du tout de savoir que Star-Lord
risque d'avoir un rôle important, parce que j'avais fait un article sur les Infinity Stones pour redire, enfin pour expliquer ce qu'elles étaient dans le MCU, et j'imagine bien en gros Thanos faire le tour de tout l'espace, donc peut-être dans Gardien de la Galaxie 2, même s'ils ont dit que non, il n'y aurait pas Thanos dans Gardien de la Galaxie 2 pour pas faire une redite du 1, en tout cas dans Thor 3, moi je le vois bien, et je le vois bien arriver, enfin finir sa boucle par la Terre, récupérer ce qu'il y a à récupérer, donc Vision, genre prendre Vision sous son bras, mais les gardiens ont su, enfin ont commencé à le pister, et ils arrivent sur Terre au dernier moment, donc ça serait genre Infinity War 1, même si ça change de nom, mais à mon avis ça va pas vraiment changer de nom, et à la fin, tout le monde se tape et héros de l'espace et héros de la Terre contre Thanos dans Infinity War 2. Ce serait un bon programme. Yep. D'ailleurs, si on continue dans le cosmique, et là, roulement de tambour, on a des rumeurs autour de Captain Marvel. Alors on a des rumeurs, c'est-à-dire rien du tout, mais on devrait bientôt connaître le nom de l'actrice et le nom de la réalisatrice du film. Donc ça c'est prévu, je crois, pour cet été, donc peut-être le mois prochain, genre en juin ou en juillet. J'espère vraiment en juin. Et surtout, enfin la confirmation que Rebecca Ferguson sera Captain Marvel. Ça fait combien de temps que je le dis que Rebecca Ferguson doit être Captain Marvel? Beaucoup trop longtemps. Depuis beaucoup trop longtemps. En fait, depuis la série White Queen, qui est très très bien. Donc ça non plus, c'est pas le MCU, mais je vous le conseille. C'est une série de la BBC. C'était beaucoup trop bien. Alors que toi, t'es plutôt... Moi, je suis carrément Catherine Winnick depuis Vikings. Ouais, bon. Enfin bref, ça se trouve, ça va être ni l'une ni l'autre, et ça peut être Emily Blunt. En tout cas, les rumeurs disent que l'actrice et la réalisatrice partagent le même prénom. Alors, ça nous pourrait nous donner Rebecca Ferguson et Rebecca Thomas à la réalisation, ou Catherine Winnick et Catherine Bigelow, et le troisième duo, Emily Blunt et Emily Carmichael. Malheureusement pour nous deux, enfin soyons clairs, je vois mal Catherine Bigelow se lancer dans un blockbuster de Marvel. Pourquoi pas, mais je le vois mal. Rebecca Thomas, moi je la connais pas, donc why not, mais c'est vraiment le nom de Emily Carmichael qui a fait pas mal de courts-métrages indés qui ont été très appréciés, notamment à Sundance, qui ressort le plus. Donc du coup, ça nous ferait Emily Blunt et Emily Carmichael. Why not, je suis aussi d'accord pour Emily Blunt. Mais Rebecca Ferguson, c'est vachement mieux. Autre news pour un personnage féminin. Alors ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Kevin Feige, monsieur Marvel Studios, aurait dit oui, il est possible qu'une franchise Black Widow soit envisagée dans un avenir plus ou moins proche. Ok, ça au moins depuis 2014 qu'on en parle, parce que Nathan Edmondson, qui était au scénario de comics à l'époque, a même écrit les 6 premières pages du script. Et David Yeters, à lui, on avait écrit un il y a 12 ans. Donc un film Black Widow, une franchise Black Widow, c'est pas nouveau. Perso, moi j'y crois pas trop. Notamment, je pense que même Scarlett Johansson n'y croit pas du tout. D'ailleurs, elle en a de plus en plus rien à foutre de son personnage. Hein. Captain America Civil War le confirmant. Donc je suis pas spécialement emballée par l'idée d'un film Black Widow. Enfin si, je serais emballée, mais si c'est pas elle, donc... Après, pourquoi pas, ça pourrait ne pas être la seule Black Widow issue de la Red Room qui sort et qui décide... En gros, elle pourrait passer le flambeau comme on sait qu'il y a plusieurs Black Widow dans les comics. Il y a même, normalement, il y a même une Red Widow suite à un bouquin de Margaret Stoll. Donc pourquoi pas, en tout cas, pas avec Scarlett Johansson. Enfin, c'est pas possible, j'imagine mal Scarlett Johansson là-dedans. Dans les histoires compliquées, il y a aussi des nouvelles du côté des Inhumains. Alors, en plus du traitement laborieux qu'ils subissent dans Agents of S.H.I.E.L.D., je vois Paula qui fait les gros yeux en regardant. Genre. La date de sortie de leur film, qui était déjà prévue en juillet 2019, a été annulée. Elle n'a pas été repoussée, elle a été annulée. Les Inhumains vont-ils être les héros maudits de Marvel? Affaire à suivre, mais ça démarre mal pour eux. J'imagine bien le téléfilm Les Héros Maudits de Marvel, genre comme elle a, par José Dayan, comme elle avait fait Les Rois Maudits. Ouais, documentaire Lost in Marvel Universe. C'est ça. Je crois qu'on a fait le tour pour la MCU entre Marvel, enfin entre les films et Netflix. Et maintenant, on va passer du côté de la Fox, où il y a de plus en plus d'infos pour les New Mutants. Knate Gwetney, pardon pour le prénom et le nom imprononçable, et Josh Boone. On réécrit une nouvelle version du scénario. Josh Boone l'a précisé sur son compte Instagram et il a fait aussi une autre annonce, et là c'est officiel, sur les noms des mutants présents dans ce film. Donc on y retrouve Yana Rasputin, Magic, Ren Sinclair, Wolfman, Danny Moonstar, Mirage, et Sam Cutry, Cannonball.
sans oublier Roberto Costa, Sunspot et Warlock. Donc plus ou moins on retrouve les noms qu'on avait dit dans le mois précédent concernant cette news. En tout cas, pas de Storm au programme. C'est pas très grave, mais au moins ça aurait pu servir de lien entre la franchise X-Men et la franchise mutante. Mais bon, c'est que le début, donc on risque sûrement d'avoir d'autres news et d'avoir des X-Men dans ce film New Mutant. Autre film X-Men également là qui est en préparation, c'est Wolverine 3, dont le tournage a plus ou moins bien commencé il n'y a pas très très longtemps. Le film est attendu en 2017, et on sait, merci Deadpool, que le film sera rated R. Donc je pense que c'est plus une annonce pour faire plaisir aux fans, pour dire « Hey, vous avez vu, on avait fait des trucs trop cool sur Deadpool, on va faire des trucs encore plus cool sur Wolverine, et il va vraiment plus tuer des gens. » Je me demande comment c'est plus possible, mais c'est pas grave, allons-y, laissons-le. En tout cas, Wolverine 3 est toujours avec James Mangold à la réalisation. Au casting, on va retrouver Boy Holbrood, qu'on a vu dans Narcos, c'est le flic. Richard E. Grant, qui lui joue dans Downton Abbey. Eric Lassalle, le fameux Dr. Benton des urgences, il n'est pas mort. Et Elise Neal. En tout cas, j'espère que le rated R sera justifié par de la violence et qu'ils vont pas nous mettre un Wolverine en train de faire des blagues de cul. Je serais quand même super déçu. Pire, en fait, il y a Deadpool et c'est juste pour ça qu'il est rated R. En pitié. Déjà que j'ai vu aucun Wolverine, alors là, très clairement, je ne vais pas y aller. Et on a une dernière news pour les mutants. On a eu le droit au dernier trailer de X-Men Apocalypse. Ça tombe bien, vu que le film sort la semaine prochaine, en fait, vu qu'on est mercredi, il sort mercredi prochain, par rapport au moment où on enregistre. Pour moi, ce trailer montre que X-Men Apocalypse est dans la même veine que X-Men Days of Future Past. Bonne ou mauvaise chose, faudra attendre de le voir pour se fixer. Malheureusement, on a déjà les premiers échos des journalistes, parce que le film a déjà été montré. J'ai lu aucun article, et je sais que toi non plus, on a juste lu les tweets, et les tweets sont assez catastrophiques. En tout cas, moi j'ai peur de l'importance donnée à Mystique, ou de l'importance donnée à Jennifer Lawrence, mais bon, ça c'est pas très grave, mais ce que je pourrais ne pas comprendre, c'est pourquoi s'acharner sur la réalisation et le choix qu'a fait Bryan Singer pour X-Men Apocalypse, alors qu'il a l'air d'être dans la même veine que X-Men Days of Future Past, et j'avais déjà trouvé ce film sacrément naze. Pour moi, le trailer n'a pas été très emballant non plus. Je l'ai trouvé assez confus, voulant montrer trop de choses et trop de mutants. L'esthétique est un peu abstraite pour moi, ça en envoie dans tous les sens, sans trop savoir où ça veut nous emmener. En bon fan de Marvel, j'ai plutôt été tolérant avec Days of Future Past, qui faisait assez bien le lien entre les deux générations de X-Men. Mais là, j'ai peur que ça passe pas. De toute façon, vous aurez notre avis sur le film dans le prochain épisode. Yay! Simon Kinberg, qui revient d'entre les morts après avoir arrêté de parler suite au fiasco de Fantastic Four, revient un petit peu, enfin, refait des interviews pour la promo de X-Men Apocalypse, et il a annoncé que la franchise X-Men ne s'arrête pas avec X-Men Apocalypse, mais qu'il y aurait un quatrième film, qui lui va se passer dans les années 90. Alors, si on suit bien la timeline, parce que avec le voyage dans le temps, ou plus ou moins en tout cas le casting des films X-Men 1, X-Men 2 et X-Men 3, lui, il est oublié, mais X-Men 1 et X-Men 2 retiennent. Donc, pour moi, c'est le dernier film, parce qu'il est censé après faire la transition vers le casting de X-Men 1, donc avec Famke Janssen et tous les autres. Et ça va être un échec de liaison de deux univers et de deux castings, mais allez-y les gars, faites ce que vous voulez. C'est bien comme ça, la Fox boucle la boucle et redonne la franchise à Marvel pour rebooter la série de la meilleure des façons. Ouais, non mais Marvel peut pas rebooter toutes les franchises, ils vont déjà sûrement sauver Spider-Man, ils vont pas en plus sauver les X-Men, et très clairement, s'ils sauvent les X-Men, alors là, les Inhumains, on peut les oublier, et ils passeront aux oubliettes, parce que plus ou moins, s'ils ont remis les Inhumains en avant, c'est parce qu'ils ont plus, les X-Men. Donc, Moi, je sacrifie les Inhumains pour plus de X-Men. Tu sacrifies les Inhumains pour plus de X-Men. Génial. Moi, je crois qu'on a fait le tour de toutes les news, on en a peut-être oublié, en tout cas, on en avait pas mal à vous dire, et on va faire la première pause musicale, et là, c'est Basile qui vous a préparé un super truc pour l'occasion. Je sens que tout le monde va pas aimer, mais pour célébrer l'annonce de la série Netflix The Punisher, j'ai ressorti des cartons un peu poussiéreux, même le thème principal de son adaptation en film en 2004.
Le morceau veut mélanger sonorités héroïques et militaires pour un résultat assez kitschouille mais qui me fait toujours beaucoup kiffer. Après cette magnifique pause musicale, il est temps d'attaquer notre grand sujet, le dernier film Marvel sorti en salle. Je parle bien entendu de Captain America 3, Civil War. Ce dernier opus dédié au First Avenger partait avec une sacrée pression. Il devait maintenir le niveau du très bon Winter Soldier, étoffer les personnages apparus dans Avengers 2 et introduire encore de nouveaux super-héros. Première question, Team Captain ou Team Iron Man ? Clairement Team Captain. Depuis le début, Captain America est pour moi un super-héros exceptionnel et aussi une des meilleures adaptations. Ouais, bon, d'accord. Bon, bah, du coup, on est deux Team Captain. Bon, bah, c'est bon, on a fini, c'était cool, on va aller boire des coca maintenant. Donc, pour continuer sur Civil War, déjà, un petit zoom sur le titre. En effet, il porte le nom d'une excellente série crossover Marvel et il était super attendu par les fans. Je suis personnellement fan de cette saga et j'attendais à la fois avec envie, mais aussi un peu d'appréhension son adaptation à l'écran. Oh, tu m'as tellement saoulé avec ça. À chaque fois, tu disais... Non, mais il faut qu'il y ait Spider-Man. S'il n'y a pas Spider-Man, ça peut pas être un bon Civil War. Alors, et qu'est-ce que je disais à chaque fois? On s'en fout, ça va pas être l'adaptation du comics. Et Black Panther peut très bien faire office de Spider-Man. Effectivement. Maintenant que j'ai vu le film. Effectivement, maintenant que j'ai vu le film, on est très loin de l'adaptation du comics. Faut dire que le crossover est tellement énorme, il y a tellement de personnages dans tous les sens que c'était impossible de le transformer directement en film. Les frères Russo ont donc fait un choix qui, je dois le dire, est finalement le bon. Ils ont préféré se concentrer sur les Avengers en reprenant simplement l'idée principale, celle du drame civil créant un débat au niveau de la liberté d'action des super-héros et de leurs conséquences. Alors, après les événements de Winter Soldier et de Avengers 2, c'est quand même un peu surprenant que la communauté internationale ne réagisse qu'après la mort de 11 Wakandais. Je peux pas dire que les Wakandais, on s'en fout. Hein. Non, mais on s'en fout pas. Mais c'était d'ailleurs ce qu'ils avaient dit pour... ceux qui font les faux trailers ou tout everything is wrong with machin, ils avaient dit genre les Avengers ne se réunissent pas après Winter Soldier, mais ils se réunissent pour aller botter les fesses de deux pauvres mecs de l'Hydra. Donc évidemment là aussi c'est, enfin ils auraient très bien pu y avoir une conséquence avec le avec The Dark World où ils ravagent une grande partie de Londres.
En plus, il ravage une grande partie du monde avec, avec de nouveau des, enfin, des aliens, même si c'est des elfes et autres. Mais oui, c'est 11 Wakandais qui font que les Nations Unies se réveillent. Surtout que finalement, pour moi, ça aurait été plus simple de virer juste Tony Stark. Il porte quand même la responsabilité de l'armement du Shield dans Winter Soldier et de la naissance d'Ultron. Il me casse les pieds. Mais pitié, mais virez-le. Il est tout vieux. Virez-le. Son ego est une arme de destruction massive. Enfin bon, je reviens sur ce choix qui est quand même une très bonne idée pour réussir à nous offrir un film qui n'est pas noyé sous le nombre de personnages à développer. Justement, les personnages, parlons-en. Pour moi, le traitement est de très bonne qualité dans le film. Déjà, les deux héros principaux, Captain America et Iron Man, sont présentés à la fois avec des motivations légitimes, mais aussi avec une certaine radicalité et un peu d'égoïsme, ce qui permet de relativiser légèrement le côté gentil contre méchant. De toute façon, il n'y a pas de gentil contre méchant, parce que les deux se valent, enfin, les avis des deux se valent. C'est aussi assez cool de voir que, finalement, c'est Iron Man qui est du côté de l'armée, avec Ross, lui qui avait dit en 2005 « Je suis Iron Man, allez tous vous faire foutre », et qui avait fait des fucks à l'armée. Mais c'est ce que disait Robert Downey Jr. Lors de la conférence de presse à Paris, où il disait si lui il avait été contre l'armée et Steve Rogers pour l'armée, on n'aurait pas eu d'évolution des personnages et ça aurait été beaucoup trop facile. Et alors que justement ce revirement était très bien mené et ça paraît logique que Iron Man soit pour l'armée parce qu'il Il a tout peur, il en a trop marre de ses conneries, et il veut continuer à les faire sans porter les responsabilités. Alors que lui, Steve Rogers, c'est le mec qui est pour la liberté, et ça reprend sa grande phrase dans Winter Soldier, qui est « Ceci n'est pas de la sécurité, ceci est de la peur, donc enfin, ceci is not freedom, is fear. » Que ça, il y a une bonne continuité pour les deux personnages, avec des choix assez radicaux pour les deux. Mais il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, et les deux avis se valent. C'est clair. Toujours sur les personnages, j'ai beaucoup aimé l'importance que prend Falcon dans le film. C'est enfin un vrai super-héros. Il a sa super panoplie de gadgets, l'usage des ailes pour faire bouclier, etc. C'est génial. Et puis une petite mention spéciale pour le drone Red Wing. Effectivement, s'ils avaient pris un oiseau, ça allait pas passer. Le choix du drone, c'est vraiment une bonne modernisation du personnage. Il y a déjà Ant-Man qui arrive à gérer les animaux et on avait dit que c'était ridicule. Bon, Falcon, il pouvait pas avoir un oiseau. En plus, le film complète le lien étroit qu'il a avec Captain America. C'est une bonne adaptation pour moi de la relation qu'ils ont dans les comics. Je rappelle quand même que Sam Wilson devient au bout d'un moment lui-même Captain America après Steve Rogers. Il y a aussi un autre personnage qu'on apprend à connaître, c'est Scarlet Witch. Et là, c'est très très cool parce que enfin un personnage féminin a un petit peu d'importance. Bon, j'ai déjà dit que Scarlett Johansson et sa Black Widow, hein, elle en a strictement rien à foutre, elle a une gueule pour tout le film. Par contre, félicitations aux cascadeuses qui alors ont des skills dans tous les sens, la scène du marché est juste magnifique. Mais alors tout est de dos ou les cheveux devant le visage, enfin très clairement, elle fait plus rien à part croiser les doigts. Dire « Attends, Tony, t'as un ego » et c'est tout, enfin, ça sert plus à rien. Donc, enfin, bref. Bravo à Scarlet Witch, parce qu'on apprend à la découvrir, on sait qu'elle a des énormes pouvoirs et on les a pas encore très très bien vus, vu qu'elle-même, elle a peur d'elle-même. Et ça va être très très chouette. Et il y a aussi un autre truc qui est cool, et là, ça colle aux comics, comme pour Sam et Steve, c'est sa relation avec Vision. Parce que dans les comics, ils sont ensemble, ils sont même un couple avec plus ou moins des enfants. Et là, on voit qu'ils sont très liés. Ça perturbe d'ailleurs Vision au moment de la scène dans l'aéroport parce que il s'occupe de Scarlet Witch et il oublie le combat. Et d'ailleurs, Iron Man lui reproche. Et notamment, pour moi, ça installe des événements qui vont se passer dans Avengers 3, Infinity War. Quand Thanos va venir sur Terre, va vouloir soit prendre la pierre ou quasiment prendre tout pour Vision, et que ça va perturber Scarlet Witch, et est-ce que ça sera la seule qui refera revenir Vision dans le droit chemin? J'y crois très très fort. En tout cas, j'espère qu'on va la revoir bientôt et pas que dans Avengers 3. Puis le dernier personnage qu'on avait déjà vu, donc pour continuer, c'est Ant-Man. Giant Man! C'est Giant Man, donc. Alors lui, il est quand même un peu plus anecdotique dans le film, mais clairement, il est sympa. Il amène le côté blague pourrie. Oui, et en fait, il est le pendant de Spider-Man dans la team Captain America. C'est
un insecte. Enfin, d'une certaine manière, c'est un insecte. Et il fait les blagues pourries. Voilà. Donc, il y a les blagues pourries. Il y a toujours le côté dans le combat... Il y a toujours le côté entre Giant Man et Mini Ant-Man qui est super bien exploité. Ça donne une dimension au combat qui est assez chouette. La scène où il se balade dans l'armure d'Iron Man est top. Bon, c'est plutôt un clin d'œil, mais c'est assez kiffant quand même. Ouais, c'est un clin d'œil. Et en plus, ça permet d'avoir la référence Star Wars dans le film, parce que là, il pouvait pas de nouveau couper des mains, même si Bucky repère son bras. Mais bon, ça, on l'avait déjà eu. Là, on a eu le droit à... quand ils sont quoi? C'est sur la planète de Hoth. C'est la planète de glace, la planète de Hoth. Il fait la référence à l'attaque des marcheurs par l'Alliance Rebelle. Et du coup, en plus, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que quand Spider-Man évoque un vieux film, j'ai clairement vu un parallèle un peu entre les deux publics qui sont aujourd'hui devant les films Marvel, les plus jeunes et aussi les plus anciens, on va dire, qui sont fans de... Les plus jeunes et les plus anciens qui sont fans de comics, qui sont fans de science-fiction depuis le début, etc. Du coup, ça nous amène à parler des nouveaux personnages. Effectivement, donc il y a de nouveaux, Black Panther et Spider-Man. Le premier, il est vraiment super convaincant. J'étais au début un peu méfiant sur notamment son look dans les premiers trailers. Miaou. Mais son look miaou. Voilà, un look un peu miaou, mais son costume et ses chorégraphies de combat sont vraiment bien exploités, sont vraiment cool, et son attitude en civil en tant que roi du Wakandais est super convaincante aussi. Beau travail de la part de Chadwick Boseman. Ouais, il est vraiment très cool, et l'introduction est super simple. C'est un prince qui devient roi. Quand il est roi, eh ben, il prend le costume de Black Panther, parce que c'est dans la tradition du Wakanda. On suppose que il est prêt à prendre toutes les responsabilités qui incombent son nouveau statut. Il a l'air de faire ça assez bien, et notamment c'est pas un roi complètement stupide et très sûr de lui avec un ego surdimensionné, parce que il arrive justement à changer d'avis sur Bucky, et avec la fin de Civil War où il accepte de protéger Bucky qui va redevenir cryogénisé. Donc il est vraiment très très chouette. Aussi, niveau sur la musique, c'était le seul qui avait des notes, un thème musical qui lui a été propre, comme on a vu pour Winter Soldier dans le film précédent. C'est le seul qui a vraiment des notes un petit peu particulières dans la bande dans la bande son, et qui est vraiment très très chouette pour ça. Le deuxième, donc, pour enchaîner, c'est Spider-Man. Alors, lui, il sert clairement un peu plus de teaser pour son propre film. Il est là pour faire plaisir aux fans. Mais il sert à toutes les personnes qui, comme toi, disaient on peut pas avoir de Civil War s'il y a pas Spider-Man. Bah tiens, t'as eu ton Spider-Man, t'es content. J'ai eu mon Spider-Man, mais il a pas le rôle qu'il est censé avoir dans Civil War. Ça y est, il a pas l'Iron Spider. Mais oui, il faut l'Iron Spider-Man, c'est l'armure la plus cool de tous les super-héros de tout Marvel. Oui, cette réaction est complètement disproportionnée, je le sais. C'est n'importe quoi. Donc, il est là pour faire teaser, pour faire plaisir aux fans, ok. Néanmoins, les frères Russo nous épargnent toute la jeunesse du héros qu'on connaît déjà, mais ils glissent avec finesse des références qui collent à l'araignée. Ils expriment les responsabilités du héros sans nous sortir la phrase de l'oncle Ben. Un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. C'est un bon point pour eux, c'est bien joué, c'est subtil et ça nous prend pas pour des cons. Et c'est très cool parce que il est très jeune, et là il est vraiment très jeune. C'est pas comme Tobey Maguire qui était faussement jeune et qui quittait d'ailleurs le lycée pour très vite aller à la fac. C'est que si tant mais, hein, merci. Merci les gars, c'était très très bien. Non mais il est jeune, il apprend le métier de super-héros, et il fait ça comme n'importe quel ado qui deviendrait vraiment un super-héros. C'est ce qu'on n'a pas eu jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent on a eu que des adultes dans le MCU, donc c'est assez cool. Il parle énormément. D'ailleurs, on lui dit à un moment, je crois que c'est qui? C'est Falcon qui lui dit de se taire. Oui, c'est ça. Voilà, arrête de parler, t'es censé se tabasser. Mais c'est un gimmick qui est aussi dans les BD, le fait qu'il parle trop. Voilà, il parle trop, donc c'est vraiment un très très bon. Je pense que ça va plaire ceux qui ont aimé le Spider-Man de Earth 616, et ça va aussi plaire aux lecteurs qui, comme moi, ont découvert avec Ultimate Spider-Man. Et voilà, j'ai vraiment eu l'impression de voir Ultimate Spider-Man. Donc très bon Spider-Man. Vivement Spider-Man Homecoming, où on n'aura pas l'oncle Ben. Enfin, voilà, on n'aura pas la genèse. Je pense qu'on va avoir Spider-Man qui a une nouvelle, enfin un nouveau costume avec des yeux qui bougent, et
Et qui... peut-être Iron Spider-Man si Robert Downey Jr. est dans le film et lui donne son costume. Mais il est dans le film, mais il n'y va pas l'avoir, son armure, son costume. Arrête avec ça. De toute façon, il n'y a rien qui le justifie qu'il l'ait. Le mec, il habite dans le Queens, il ne va pas l'avoir. Bon, du coup, on a fini le tour des super-héros, mais il y a d'autres personnages à creuser. Il y a bien entendu le Winter Soldier qui est au centre du film. Déjà, il nous offre des bonnes scènes d'action très très cool. Comme il est accusé de meurtre, c'est pour moi un peu le Jason Bourne de Marvel. Il a son côté fugitif qui casse du flic sur sa route. C'est plutôt bien fait. Par contre, il y a son côté un peu soldat traumatisé qui est parfois un peu tire-larme. Ça a tendance à revenir très souvent dans le film et c'est parfois à la limite. Enfin bon, il reste quand même assez charismatique, il apporte une vraie justification des actions de Captain America parce que effectivement Steve Rogers ne peut pas abandonner le dernier homme de sa vie passée après l'enterrement qui débute le film. Non, l'enterrement de Peggy. Ouais, mais au moins il a enfin compris que Sharon c'était la nièce. D'ailleurs, enfin aussi, j'ai genre petit aparté personnage féminin, donc on a vu que Scarlet Witch était vraiment très très bien. Black Widow, voilà. Et l'agent 13 ne sert à rien. D'ailleurs, en fait, il y a trois pauvres personnages féminins. Je crois qu'on va tout casser, on doit les voir tout cumuler une demi-heure. Si tu rajoutes Tante May aussi dans cette histoire, merci Tante May de rajouter un petit peu de minutes aux personnages féminins. Mais l'agent 13, elle ne sert à rien. Tu vas pas me dire, c'est juste parce qu'elle est humaine ou qu'elle est à la CIA qu'elle est pas plus exploitée. Mais si, elle leur redonne le bouclier de capitaine et le costume d'oiseau de Falcon. Le costume d'oiseau. Et elle fait le bisou avec la super scène avec Sam et Bucky à l'arrière de la voiture en disant « Eh ouais, mec, enfin !» C'est vrai. Enfin, je l'ai vu deux fois le film et les deux fois, les gens ont plus ou moins applaudi à cette scène. Mais c'est quand même Sharon Carter, les mecs. Faut y aller. Elle a peur de rien. D'ailleurs, elle a une scène avec Bucky qui va trop vite. Elle aurait mérité d'avoir un petit peu plus, mais bon. Voilà, c'est pas grave. Du coup, le dernier personnage du film, c'est un peu l'échec de Civil War, c'est le Baron Zemo. Le personnage manque clairement de charisme, son plan machiavélique est tiré par les cheveux, pas du tout crédible selon moi. C'est vraiment le prétexte à nous parler de l'Hydra et à monter les héros les uns contre les autres. Mais pour moi, il n'est pas exploité à sa juste valeur. Bah, et en fait, c'est là où moi je trouve qu'il y a un souci, c'est juste toute l'intrigue du film. Donc... contrairement à toi, moi j'ai un petit peu moins bien aimé Captain America Civil War. Je trouvais que c'était un bon film de super-héros, mais un très mauvais Captain America. Parce qu'il n'y a pas les frères Russo, ils ont fait un énorme travail dans Winter Soldier où ils ont donné une esthétique de film d'espionnage à Captain America. Ils ont donné vraiment un vrai ton à cette franchise Captain America que n'a pas Iron Man ou que n'a pas Thor. Et que n'a pas non plus Avengers, parce que c'est des films de super-héros, au moins Captain America a proposé quelque chose, comme Ant-Man a proposé quelque chose, et là, on n'a plus ça. Moi, j'ai trouvé qu'on n'avait plus ce côté film avec un ton particulier, c'est devenu un film de super-héros, et le Baron Zemo ne sert à rien. En fait, il fallait soit les accords, parce qu'avec les accords, ils se tapent dessus, ou soit juste une intrigue avec le Winter Soldier, qui est pris dans une machination du Baron Zemo qui, comme tu le dis, se tire par les cheveux. Il y en avait, enfin, c'était soit l'un soit l'autre, et le Baron Zemo s'est raté. Comment en un an, parce que c'est à la fin de Sokovie, comment en un an il arrive à lire les fichiers de l'Hydra, retrouver Winter Soldier que personne n'avait retrouvé jusque-là, arrive à créer savoir qu'il allait avoir les accords, parce que les accords, il y est pour rien. C'est pas lui qui est à l'origine des accords. Donc, comment il arrive à créer l'explosion des accords qui tue T'Chaka, savoir que ça allait... Enfin, c'était n'importe quoi. Et finalement, pourquoi? Juste pour tuer les autres Winter Soldiers, faire qu'ils se tapent dessus, mais on s'en fiche qu'ils se tapent dessus, parce que c'est quand même des héros, et ils vont quand même être d'accord, plus ou moins tous ensemble à la fin. Enfin, Zemo, ils l'ont raté. Mais c'est assez bien, parce qu'ils ont raté deux personnages. Ils ont raté Crossbone au début, ils ont raté Zemo à la fin. Donc c'est bien, ils ont bien couplé. Avec Crossbone aussi, on n'a pas parlé. Non, il méritait même pas qu'on en parle. Il mérite pas. Pauvre Crossbone, mais que ça soit Crossbone ou n'importe quel lambda juste qui défonce Lagos et qui crée le bordel, ça aurait revenu au même. On n'a pas besoin que ça soit Crossbone pour ça. Clairement, ça pouvait être un méchant avec un masque. Voilà, ça aurait n'importe qui. Et en plus, Crossbone vient à Lagos pour voler une fiole. Il dit, ouais, on m'a payé pour la voler, et on sait pas qui l'a volé, donc du coup, même ça sert à rien, en fait.
il y a même pas un lien avec Zemo, parce que ça aurait été, ça aurait pu faire une vraie boucle avec Zemo, mais même ça, il y a pas. En fait, il est là, il fout la, enfin, ça permet juste de tuer 11 Wakandais. Désolé les gars, mais, enfin. Bah, du coup, j'ai envie de réagir sur ce que t'évoquais sur le style du film, par rapport au Captain America 2 qui était très espionnage. J'ai parlé de Jason Bourne pour qualifier le Winter Soldier tout à l'heure. Pour moi, dans le cinéma d'action, Paul Greengrass, le réalisateur des Jason Bourne, a marqué les films d'action et d'espionnage avec son style caméra-épaule très dynamique, et ça se retrouve justement dans Captain America. Pour moi, il est un peu la version moderne des films d'espionnage. Le film nous offre des belles scènes de combat qui n'ont rien à envier à l'ascenseur de Captain America 2. L'escalier avec Winter Soldier, c'est hyper cool. On sent des combats rugueux, il y a vraiment un côté de personnages déterminés qui ont des mouvements, des chorégraphies très chouettes. Il y a un vrai travail qui nous met dans l'action. Ouais, bah t'as ça aussi dans Daredevil. Il y a une scène dans c'est dans un escalier ou c'est dans un couloir. Le couloir c'est dans la saison 1, mais dans la saison 2 il y en a une aussi comme ça. Avec le Punisher, c'est aussi dans un couloir, aussi dans un escalier. Alors bon, on a un peu l'impression maintenant qu'on les a revus, ce type de scène, faut y aller, faut un petit peu changer. Effectivement, la caméra épaule, elle revient très souvent dans les films d'action, elle gêne un peu la lisibilité, et c'est parfois un peu voulu, c'est un super moyen pour masquer les doublures. Du coup, pour continuer sur l'effet caméra, il y a, pour moi, dans la réalisation, un léger souci, c'est vraiment léger, et là je fais le difficile. Le film s'ouvre d'un léger entre-deux, c'est-à-dire que d'un côté, on a ces combats filmés en caméra épaule pour donner du dynamisme, pour nous plonger dans la scène, etc. Et de l'autre côté, on a des plans très larges avec caméra fixe qui sont là plutôt pour nous offrir des plans iconiques. Le lien entre les deux styles est pas toujours évident. Mais bon, clairement, là, je fais le difficile. Alors, la question, c'est pourquoi ? Effectivement, parce que la caméra épaule, c'est déjà moins cher et c'est parfois plus facile à mettre en place. C'est pour moi pour deux raisons. Déjà pour l'intégration de la 3D qui est plus facile quand les plans ne bougent pas. Et de deux, c'est aussi pour le marketing et la communication. Les plans fixes, c'est cool pour faire des images à diffuser sur Internet. C'est cool à intégrer dans les bandes annonces. C'est cool aussi pour faire des gifs qui sont quand même une bonne part de com aujourd'hui. Donc voilà, pour moi c'est un choix qui est pas tant un choix de réalisateur qu'un choix de prod au sens très large. Alors bon, comme je le disais, c'est vraiment un point de détail. Par contre, là où on peut réagir, c'est sur les effets spéciaux. Clairement, Spider-Man, Iron Man, Falcon ont quelques scènes où on voit un peu trop les images de synthèse et le fond vert. C'est un petit peu gênant, c'est pas problématique, et là à nouveau je suis sur du détail. Mais notamment dans le grand combat de l'aéroport, ouais, il y a certains moments où c'est plus de la cinématique de jeu vidéo. Bah, tout que Spider-Man, en fait, pour moi, il a pas fait cette scène, en fait, il y était pas juste au début pour dire hey, coucou, et après ça a été la cinématique. Non mais effectivement, j'imagine la déception de Tom Holland qui n'a pas pu faire la scène la plus cool de son personnage parce que c'était son équivalent 3D qui l'a fait. Non mais l'intégration de Tony Stark, en fait, dès qu'il enlève son masque quand il est en armure, dès qu'il enlève son masque, et c'est valable aussi pour War Machine, ça fait trop, c'est trop bizarre. C'est vraiment trop trop bizarre. Et on parle pas de la scène où il imagine qu'il a 18 ans et qu'il parle avec ses parents, parce que là, ça faisait peur. Quand j'ai vu ça, je me... Mais là, il y a un truc qui va pas, les gars. C'est mal foutu, c'est fait exprès. Je suppose que c'est plus ou moins fait exprès. Le maquillage numérique est assez rigolo. Moi, ça m'a fait penser à Robert Downey Jr. dans Kiss Kiss Bang Bang. Il avait à peu près ce look-là à l'époque. Ouais, je sais pas, mais même Jeff Bridges dans Tron Legacy, il est vachement mieux fait. Enfin, là, ça, ils se sont vraiment chiés dessus. C'est un petit peu moche, hein. Mais comme dans le film, c'est une modélisation 3D. Oui, ça passe. Oui, ça passe, mais il faut le comprendre que c'est une modélisation 3D, hein, parce que c'est pas gagné au début. Donc, du coup, après ces petits détails, réalisation, effets spéciaux, j'ai envie de revenir quand même sur le grand combat dans l'aéroport, qui est pour moi un moment génial dans le film. Il est là juste pour nous faire kiffer. Il faut laisser de côté notre sens critique d'adulte un peu relou et se laisser embarquer au milieu des combattants. La réussite pour moi, elle est toute simple, elle tient en une idée, c'est mettre en avant tous les protagonistes en montrant l'étendue des capacités de chacun. On passe de l'un à l'autre, ça s'enchaîne bien, c'est vraiment le grand 8, chaque combattant donne son maximum, mais tout reste lisible pour nous offrir un grand moment d'action, c'est top. Le Giant Man qu'on a déjà évoqué, il est vraiment super cool, la blague Star Wars, etc., il y a un bon rythme, tous les personnages sont mis en avant, pour moi c'est une vraie réussite. Du coup, on arrive à la fin de notre analyse.
On va devoir donc parler de la fin du film. Je lance donc, attention, spoiler alert, méga spoiler si vous n'avez pas vu. Bon, de toute façon, on a déjà spoilé. Le podcast est spoilé, mais là, c'est le spoiler ultime, c'est la fin. Alors, vous êtes prêts? Donc, pour moi, la fin du film, elle est simplement excellente. C'est la conclusion qu'il fallait. Elle est à chier! Elle est à chier! Au moins, on nous évite, ma maman s'appelle Martha. Mais il y a quand même une histoire de maman. Enfin bref, vas-y. Alors, la fin du film est excellente. Il y a pas de revirement soudain de situation. Il y a pas un Deus Ex Machina qui nous règle le conflit en deux minutes avec un gros câlin des héros qui redeviennent les meilleurs amis du monde. Pour moi, c'est la fin qu'il fallait. Le film préfère nous offrir une ouverture vers Avengers 3 avec un Captain America toujours en fuite, mais parvenant à contacter Iron Man. C'est exactement le côté Boy Scout de ce héros-là. Lorsqu'il lui dit qu'il sera toujours là si un nouvel ennemi menace la Terre, il nous annonce clairement que les Avengers dissidents ne laisseront pas tomber Tony Stark lorsque Thanos arrivera sur Terre. Je pense que c'est la bonne idée, parce que quand même, la future menace de destruction de l'humanité, c'est une bonne raison de rassembler tout le monde malgré les désaccords. Bon. Alors oui, ça c'est vrai, c'est bien. Le seul truc qui me dérange, c'est les accords. Qu'est-ce que ça devient ? C'est toujours en place ? C'est pas toujours en place ? Les accords sont toujours là, pour moi c'est évident. Ouais, mais du coup, les accords sont toujours là, c'est évident, sauf que y a plus personne en fait. Il reste juste Tony Stark, donc ça sert à rien en fait, ils ont tué les Avengers, il y a plus d'Avengers. Mais ça concerne du coup d'autres héros potentiels, parce qu'avec l'ego de Tony Stark, il va sûrement aller farfouiller, nous en retrouver un ou deux de son chapeau. Bah ouais, mais... Alors, dans les films à venir, il y a Doctor Strange, on va pas avoir de on va pas entendre parler des accords. Guardians of the Galaxy, on va pas en entendre parler non plus. Thor, non plus. Donc on va en entendre parler dans Spider-Man. Donc ça veut dire quoi? Normalement, Spider-Man, il a pas le droit d'être le héros du voisinage du Queens, à cause des accords. Pourtant, ça va être ça, son film. Les accords peuvent tout à fait être dans Doctor Strange, qui peut être détecté par Tony Stark à la fin du film. Ouais, mais ça arrive à la fin, c'est pas dans l'intrigue du film. Alors que là, au moins, enfin, en tout cas, dans Spider-Man, les accords, ils sont bien en place, et ils sont censés avoir des conséquences sur son activité extrascolaire. Oui, mais à un moment, on peut pas se fixer sur les accords non plus. On nous a donné suffisamment d'éléments là, et ça peut s'arrêter tout à fait maintenant. En tout cas, ça peut, ça va avoir des conséquences dans Black Panther, vu que T'Challa a accepté de garder congeler Barnes, et on peut supposer qu'il y en a qui vont tenter de le récupérer, en plus de tenter de récupérer le Vibranium. Ouais. Personnellement, j'imagine bien le Wakanda devant faire face à la fois à l'Hydra et à la fois à des Avengers un peu manipulés par la politique qui cherchent tous les deux à récupérer Barnes. Ça pourrait être un trio d'affrontements assez cool. Attends, l'Hydra, mais genre l'Hydra va être encore vivant. L'Hydra, ils sont morts et enterrés. L'Hydra ne meurt jamais, c'est le principe même de l'Hydra. L'Hydra a vu ce qu'on faisait d'eux dans Agent of Shield, ils ont dit les gars, fichez-nous la paix, tuez-nous, démerdez-vous avec les inhumains, mais vous nous oubliez, quoi. Je sais pas, enfin... En tout cas, conséquences, il peut y en avoir dans Black Panther, il peut y en avoir dans Spider-Man, mais ça fait un petit peu léger... Vu la situation dans laquelle on laisse les Avengers, il va falloir attendre 2018 avec Avengers 3 pour voir ce que ça va donner, parce que... C'est pas si loin, 2018. Je vais devoir attendre 2018 avant de revoir Vision et Scarlet Witch, c'est pas possible. Il va falloir faire des trucs, les gars. Bon, donc du coup, il est temps de conclure. Donc, pour moi, c'est simple, j'ai beaucoup aimé Captain America 3 Civil War. Malgré les petits défauts qu'on a évoqués, surtout le défaut principal Quasimo, m'a vraiment embarqué, je me suis pas ennuyé, j'ai fait mon fan, j'ai dit allez-y, je vous laisse les commandes, et j'ai pas été déçu. De toute façon, pour moi, Captain America, c'est la meilleure franchise Marvel au cinéma, donc je suis pas totalement objectif. Le premier nous offrait une bonne ambiance de Deuxième Guerre mondiale, le deuxième était un bon mélange entre super-héros et espionnage, et celui-ci est vraiment un bon gros kiff héroïque. Donc finalement, les libertés prises par rapport aux comics ne me gênent pas du tout, même si la lutte entre Avengers ne méritait peut-être pas le nom de Civil War. Ouais. Moi, je suis comme toi, et oui, je suis une grande fan de Captain America. Oui, le film était pas mauvais. On peut pas dire qu'il était mauvais. J'ai trouvé que c'était un mauvais film Captain America dans la franchise, qui collait pas du tout. Et ouais, de nouveau, enfin, il y a plusieurs arcs dans le film, mais qui sont pas justifiés. Un aurait été suffisant. Ça sert à rien d'avoir et les accords et Zemo. Et pour moi, ils se sont un petit peu losés sur ce film. Même si il
rentre complètement dans le MCU, c'est quand même un bon moment, je l'ai vu deux fois, c'est pas pour rien, mais j'en suis pas ressortie avec l'énorme claque que j'avais eue pour Captain America Civil War, Captain America Winter Soldier, qui lui était vraiment très bien. Refais-toi un visionnage des 4 Fantastiques et t'adoreras Civil War. Non, mais évidemment, mais tu peux tout aimer en après avoir vu les 4 Fantastiques, mais non, c'est... Non, j'ai bien... T'es un petit peu déçu, mais après, c'est peut-être parce que je suis trop exigeante ou trop relou, et voilà, mais un petit peu déçu. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour sur Civil War, même la Civil... Enfin, enfin, la Civil War aura vraiment eu lieu chez nous, parce qu'on n'est pas d'accord. Enfin, même si on a bien aimé, on n'est pas trop d'accord. On vous remercie à tous de nous avoir écoutés et de nous avoir supportés pour ce deuxième numéro, où on a essayé de plus partir dans tous les sens. Bravo, c'est génial. Et on va faire la même chose le mois prochain avec... X-Men Apocalypse. N'hésitez pas à nous faire vos remarques, soit sur Twitter ou sur le site ou même sur Facebook. On sera là pour vous répondre. Et on vous quitte avec la musique Civil War, issue de la BO de Oh, grande surprise de Captain America Civil War, qui est composée par Henry Jackman. Salut Basile, à la prochaine. Salut Paula, salut tout le monde et à bientôt.